Je mets la diapositive. Merci. Ouais, donc on a eu une petite coupure, mais ça a été maintenant rectifié. Merci Stéphane. Donc le dernier tableau, c'est juste un récapitulatif de tous les budgets. Et juste, je refais juste le commentaire que j'ai fait précédemment. On considère 2024 comme une année de transition. Il y a un budget inférieur à 2023 et ça s'explique principalement parce que sur la partie investissement, comme c'était principalement une année d'études, les montants sont moins importants que l'année. Voilà, merci pour avoir suivi toute cette présentation des budgets. Je vous propose de passer au point suivant de l'ordre du jour. Donc, c'est une demande de subvention pour la région Bretagne concernant le patrimoine maritime et littoral. Donc, on vous a mis dans les documents de travail l'exposé de ce programme et de cet appel à projet. Je vous rappelle qu'on en avait déjà bénéficié dans le cadre de la réparation de la roue. Ça avait bien fonctionné. On a été relancé par la région dans le cadre de l'appel à projet 2024. Avec la présidente du Moulin du Birlot, on a assisté à un webinaire qui nous a présenté les objectifs de cette année 2024, qui sont, il y a trois objectifs. Quand il y a deux objectifs, il y a développer, surprendre. Développer, c'est tous les travaux de réhabilitation. Surprendre, c'est tous les travaux de communication autour d'un projet de, patrimonial maritime ou littoral. On vous a donné dans les documents du Conseil la présentation des montants tels qu'ils apparaissent pour le budget développé et pour le budget surprendre. On a une visioconférence avec la responsable de ce projet à la région le 15 avril et on doit soumettre nos demandes avant le 15 mai. On a l'intention de soumettre ça vers la fin avril. Et on s'appuie donc principalement sur, on va s'appuyer principalement sur le budget développé, avec les travaux sur la toiture, des travaux de reprise de maçonnerie parce qu'il y a de plus en plus